Bonjour tout le monde, nous trouvons nous dans une zone marine haïtienne, côté que nous sommes capables de dire tout le monde qui a une situation de soi même qui a dégénéré dans une zone ça. Côté que nous sommes capables de dire que pour balle, nous remarquons tout dans la rue et que nous pile tout. Nous sommes capables de dire que la motocyclette lui-même qui est arrivé boulé dans une zone marine haïtienne, ni dans la rue, ni en bas pompe gaz qui trouvait lui en face et marine haïtienne. Mais c'est une motocyclette lui-même qui boulé. Et nous ne connaissons pas aussi, il était une victime dans le cas d'affrontement qui était gagné entre et marine haïtienne et civil américain qui trouvait dans Bizoton. Et Fandi, le week-end, c'était un week-end noir, il était pour les gens qui avaient dans la zone Bizoton et dans la zone Dikini et arrivé même dans le tort, puisque les gros rafales automatiques qui étaient gagnées dans la zone santé, et bien, Simé, la Pérez, la Caille, tout le monde qui t'a vivé dans la zone santé aux amis internautes. Donc, c'est pour ça que la situation lui-même liée. Dans Bizoton, pour aujourd'hui, Fandi, c'est qu'il a son lui-même qui est complètement capable. Qui paralysé dans la zone ça et pour aujourd'hui les amis internautes donc pas vraiment gain activité ou même qui a fait à part des petites machines ou même qui est toujours à chercher la vie puisque nous connaissons la zone et Bizoton lui-même gain marché Bizoton gain marché et ISO qui dans zone là donc marché ça ou même qui a tenté fonctionner au ralenti et pas vraiment gain camionnette ou même qui a fait zone là à part de quelques grandes camionnettes ou même qui a fait monter descendre et pas vraiment gain et motocyclette tout et à part de quelques motos yo même tout qui a peut-être traversé ligne donc ligne a toujours été sensible pour jeudi lundi 4 mars à mettre donc c'est que sa situation lui même lié n'a permettre au vivre comme ça y est amis internautes et ben zone Bizoton zone Dikini zone Tor et pour jeudi à là. Nous, les nouvelles sur ce qui a développé dans le pays en général, mais plus particulièrement au niveau commune Gafou. Et situation politique là, mais y compris question insécurité là, d'une manière générale et plus particulièrement au niveau commune Gafou. Il y a une raison qui fait que nous disons que position nous, les pas nouvelles, c'est parce que un pile événement qui a brûlé là. Nous-mêmes, nous t'ai anticipé et nous t'ai fait deux propositions pour éviter que le pays arrive là. Non seulement les gens qui sont dirigés actuellement, plus particulièrement le docteur Ariel Henry, et ses 19 ministres, deux ans, bon, près de 4 ans environ, nous t'ai fait deux propositions et nous t'ai dit que faut que le peuple haïtien. Yo même, yo à un certain niveau, yo prend la responsabilité face à pouvoir ça, parce que le pape mené aucun côté, c'est vers un génocide. D'ailleurs, on garde toute attitude pouvoir en place. Tout élément yo, c'est des éléments qui ont caractéristiques avec une dictature. D'ailleurs, pas oublier que nous en dans démocratie, nous pas qu'en question et état de siège, nous pas qu'à nos questions de et comment reconnaître les ça et couvre-feu, parce que type de caractéristiques, ça c'est deux caractéristiques qui liées avec deux gouvernements dictatoriels. Là ça où viennent des droits civiques et économiques qui viennent bannis, moun baga circuler. Déjà pas oublier nous passer presque un mois de terreur, nous constater que effectivement que Jouda. C'est propre l'État qui lui-même a terrorisé une population, un peuple qui n'a pas vivre, l'école fermée, toute activité économique, politique yo, et activité et sociale, économique, yo complètement fermée. Et pour venir gagner la question de pénitentiaire, pour nous-mêmes,
analyse par nous, lecture par nous, que en pile monde, nous pas besoin de lire un gros livre, faut constater que c'est une facilité de pouvoir en place. Parce qu'avec facilité que nous avons action ça nous proposer, et c'est une raison qui fait que dans toute intervention, nous toujours dit et relater que nous en face on terreur d'État, nous en face yon l'État qui lui-même gagne complicité avec ça n'a plus les bandits qui ont même terrorisé la population haïtienne. Je veux dire, qui ça vous pensez que table faite pour remédier avec cette situation ça? Nous disons déjà, puisque l'État c'est lui qui constitue propre, qui a terrorisé la population la Cali, on regarde ça qui est plus simple. Qui mise en place qui fait pour que l'école est ouverte? Qui mise en place qui fait que pour le peuple haïtien, jeune sécurité? Nous essayons de tout part, tout côté mon a couru, y compris la commune de Carrefour, côté que nous-mêmes avons bataille. Diverses organisations, diverses structures, que ce soit dans société civile, organisations sociopolitiques, dans partis politiques, dans toute couche dans société, dans la commune Carrefour, mon a droite à gauche, mon a mouru, mon a déplacé, quitté Caillou, mon n'a pas qu'à vivre. Ça veut dire que l'État lui-même lui associé avec les bandits pour que il terrorise la population. Et c'est une raison qui fait que nous dit que les gens qui l'a au pouvoir, seul appuyé après ces forces étrangères à demander de temps en temps parce que ça va le permettre de pérenniser tête au pouvoir, faire plus de temps. Les gens pas qu'à mobiliser, manifester pour défendre le droit social et économique, et bien le ça, ou venir être devant la situation, c'est après doit laisser le ça, il va pérenniser tête au pouvoir. Fait beaucoup plus de temps, ou pas qu'à gagner ça n'a plus la prospérité, et bien c'est ça que nous c'est une raison qui fait que nous-mêmes nous toujours dit que place Ariel Henry et ses 19 ministres, ils n'ont pas gagné place encore dans tel pays, il faudrait que vous retirez quoi, yo. Ensuite, bah, ils ont une équipe qui plus ou moins capable de défendre les droits du peuple haïtien. Parce que qui ça dit, pour gagner une communauté internationale qui arrange lui-même avec le pouvoir en place, c'est la disparition, c'est l'anéantissement.